Allez, avec Joël Kofi. Joël, match compliqué contre des Occitiens qui n'ont rien lâché ce soir. Et au final, 4 points seulement au compteur pour vous. Non, mais après, on sort de 5 matchs compliqués. L'important, c'était de gagner ce soir. Après, c'est sûr qu'il y avait la place de prendre un bonus offensif. On loupe 3 ou 4 occasions d'essai qui sont voilà, juste à lever les balles. Il y a essai derrière. Donc. Mais bon, il faut retenir la victoire. Et on reviendra après la trêve avec un peu plus d'ambition, encore plus d'ambition, disons. On ira à Brive pour essayer de faire un coup comme on a fait à Lyon. Et voilà. Ça va, l'expérience qui rentre pour les jeunes. Voilà. Justement, c'est des jeunes, vous en avez vu ce soir. Par contre, la trêve, elle est bienvenue parce que ce championnat, on le dit chaque fois, mais il est vraiment très très dur. Quoi. Oui, la trêve est bienvenue là, parce que bon, surtout qu'on avait pas mal de pétés, en troisième ligne, en neuf, on a eu pas mal de. Voilà, c'est une trêve qui va faire du bien à tout le monde, mais bon, autant pour nous que pour les autres équipes. Donc, il va falloir se reconcentrer à la rentrée, essayer de faire un maximum sur les matchs à l'extérieur et contre des concurrents directs comme Brive. Et on verra après. On verra par la suite. Ce top 5, il est pas loin quand même encore. Hein. Oui, on est toujours dans le bon wagon. On accroche nos matchs. Et on est une équipe qui marche à réaction. Donc c'est là où on nous attend le moins, c'est que on fait les efforts le plus. Et voilà, donc à Brive, on va y aller avec de l'intention, disons. Écoute, Joël, on va te souhaiter surtout de très très bonnes fêtes, bonne récupération. Et puis donc, le 12 janvier du côté de Brive. Merci, bonne fête à vous aussi.